Bonjour à VOD. Attends, Lotte. Oui. Un truc. On va au labo de la haie parce que d'après les infos qu'on nous a données, c'est la suite logique. Et du coup, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je voulais. Il y avait la punaise là-bas, mais en fait. Elle est partie du mauvais sens, c'est relou. Bon, tu vois, on est parti. Ouais, je te suis. Ah, faut tuer le Zacharien pour la quête. Alors... Derrière toi. Je l'entendais, mais je voyais pas. On va le taper à deux parce qu'on va se mettre des coups. Ok, bon, on en reverra d'autres, hein, de toute façon, partout de ces merdes. 3 sur 10 déjà, ça va vite. Hein. Ouais, bah, j'en mets deux coups avec ma grosse masse. C'est quoi cet endroit? C'est l'endroit de E là. J'ai envie d'aller voir en bas quand même. Ah! Ça m'a fait trop peur. Derrière toi. T'inquiète, elle va aller vite. Regarde en bas là, il y a un truc à chaque. Il y a un truc de gland là, cassé. Roche fissurée nécessite un explosif. Oh, trop stylé, on pourra faire des explosifs. Ok. Et on peut déjà le faire, il nous faut un cocon juste. Et de la pourriture. Ah bah j'ai jamais vu de cocon moi. Si, t'en as récupéré pendant les fourmis. Ah, j'ai récupéré un œuf. Ouais, bah c'est ça. Ouais, ou peut-être un cocon. Ouais, un cocon, c'est peut-être autre chose, genre les cocons d'araignée. Énerve. Moi, je pense aux cocons d'araignée. On va les tuer, ça m'aura fait la quête. Hein. Plus qu'un, et on a fini avec. Il est où ton point? Bon, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, mais c'est des petits trucs sur le chemin aussi, comme ça, si on a besoin de se crafter des petites merdes, on aura. Un peu de branche et tout, ouais. Une punaise là-bas. On passe un peu à gauche. Il est sorti par la bite, celui-là. Ah, parfois je vois plus ton point, ça me rend ouf. Merci petit 7 pour le follow, c'est très gentil. Merci pour le tip. Attends. Je vois pas mon point. Ouais, je vois plus ton point en fait. Ah, c'est bon. Enfin, je te vois toi. En fait, non, je le vois plus, mais je te vois toi. Mais tu vas vers la maison là. Oui, mais parce qu'on est obligé de contourner, elle est punaise sur notre droite. Voilà. Oh putain. Ah, j'ai pris un truc pour augmenter l'endurance, une mutation. Alors j'ai vu, on pourrait avoir que 3 mutations actives apparemment. Ah non, moi j'en avais que 2. On pourrait en avoir que 2 moi. Ah, on pourra passer à 3 avec l'amélioration alors. En tout cas, c'est par là. Mais putain, il est où mon putain de point? Il est juste. Bah non, il est là-bas. Ouais, on y va vers. Moi, je vois plus moi. Appuie sur T 2 fois. Mais tu sais, ça me fait des émotes moi. Moi aussi des fois. Je pas moi tout le temps. Du coup bah j'ai. Ça m'a jamais aidé. Appuie sur R. Pourquoi tu veux faire ça? C'est méchant. Je vais le faire alors du coup. C'est vrai que je me servais de ça pour lancer les lances quand j'attaquais, c'est sympa. Non mais arrête de faire le gémissement de la meuf, c'est horrible quand c'est toi. Hein. Elle respire. Oui bah je m'en fiche. Les gens qui respirent c'est bien. Ouais, tu éviteras tes commentaires vilains. Un mec adorable. J'étais méchant. Bon. Donc qu'est-ce qu'on pourrait tenter de faire à cet endroit-là du coup? Ouais, j'aime bien parce qu'on a des plans bien chiadés à chaque fois. Mais qu'est-ce qu'on a pas essayé? Il y a plein de portes, on peut pas les ouvrir. C'est dans l'arbre, etc. Est-ce que. Je me demande si. Attends, je regarde. C'est toujours vieux.
Verrouillé. C'est quoi ces bruits que j'entends? C'est toi? Ok. Viens, on va. Rappelle-toi, il y avait un labo là-bas où il y avait les araignées. Ouais, et c'est vrai. On pouvait y accéder. Est-ce qu'on devrait pas. Ou est-ce qu'on devrait pas essayer de monter là-dessus là? Non, mais comment? Ah, si, si, ça se voit. En fait, faudrait essayer de rentrer dans cet arbre et de se balader un peu. Je vais prendre rentrer des dans l'arbre, mais on a. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, mais viens, je pense qu'il faut qu'on aille en haut, c'est pas con. Mais de grimper. Il y a un. Et ouais, sûrement. Mais moi, attends, je suis attends, viens, moi. Je passe pas. Ouais, mais moi, je fais le tour et les araignées partent. Hein. Bah, elles dorment. Ah! Que dalle! Putain, mais pourquoi j'ai un araignée sur moi là? Non, mais là où je suis, il y a un bout de campement et il y a des petites araignées, mais des petites. Mais j'essaie de monter, mais j'essaie de monter là. Mais fallait monter de l'autre côté! Il y a un endroit qui est tout fait, il y a une petite branche. Putain. Là où je suis, là, t'as une petite branche exprès. Quoi, mais non, mais t'as dit. On... Oh putain, mais elle me chute! Non, mais c'est quoi c'est à dire? Rebrouche chemin, viens où je suis. Ah non, mais je peux plus, elle est venue de mon côté. Oui, non, mais là, t'as de la largeur quand même. Mais elle me suit! Et fait un tout! À droite, j'ai toutes les larves de merde. T'as des cocons en bas? Mais oui, je pense que c'est les cocons d'araignée, moi, qu'il nous faut. Et il y en a aussi plein. Le cocon, c'est juste pour faire un explosif, hein. Je sais pas si explosif. Tout de suite, là, il veut plus, hein. Non, mais je sais pas, tout. Attends, on peut regarder. I. Fabriquer. Des trucs d'attaque là, on descend. Merguez explosif, il faut un œuf de fourmi rouge. J'avais raison. Bien, une larve de fourmi. De machin, de bidule. Bon, s'en fout. J'arrive. J'ai fait le tour, j'ai réussi mon coup, j'ai gagné. Bien. Attends. Ah non, c'est peut-être là où je suis, où faut que tu viennes. Ah non, pas du tout. Ah, c'est peut-être. Ouais, faut que tu viennes là où je suis en fait, là. Pas rejoins-moi. Attends, je me fais attaquer par une petite jaune, j'aimerais bien essayer de la buter. Oh non, mais c'est trop dur, ça. Oh putain, j'avoue que je lui fais rien, quoi. Elles sont trop dures, les petites elles jaunes. Sont... Hein. Rappelle-toi, la petite, elle avait tenu presque... En fait, c'est presque tombé une grosse, au final. Mais oui, c'est ridicule. Tu sais, ça doit être une grosse avec genre 20 ou 30% de stats en moins, mais du coup, elle est presque aussi forte. Mais pourquoi, moi, faut que j'aille là où tu es. Monter de la haie. Voilà, tu vois, j'ai découvert un truc. On sent que c'est, hop, la haie pour monter dans la haie. Je te hais. Il y a un trombone. Il y a un trombone. Merguez qui fait boum, oui, c'est des merguez explosives, effectivement. On a bien fait de revenir ici, je suis sûr que c'est par là, j'ai raison, j'en suis certain. Let's go, viens me rejoindre. Ah non, mais stop. Oh. Tu vas te calmer quand même. Oui, mais. Ah, faut tuer les jeunes araignées. Oh, non, c'est bon. Non, mais jeune, c'est toute petite, je crois, elle est blanche. C'est bon, j'ai dit. D'accord. Je pense qu'il faudrait qu'on se prévoie un campement. Oui, mais je t'attends, hein. Bah, prévois un campement pendant que j'arrive. J'ai déjà tout. C'est pas vrai. Vous êtes en difficulté normale? Non, on est en quoi? En difficile? En normal. Oh, non, normal? Je crois que t'as dit que c'était la mais deuxième. Non, difficile, c'est parce que ça me faisait chier, histoire de durabilité sur les uns. La difficulté, j'aime bien, mais les trucs chiants comme ça m'emmerde. Bah, oui, on est en normal alors. Ah bah enfin, après des années là. Je t'en... Bon, tu vois, c'est pas mal. Il y avait écrit monter de la haie. Et vu que c'est truc de la haie, en vrai, ça se trouve, depuis le début, fallait qu'on passe par là. De toute façon. Oh putain, là. Y'a quoi dessus? T'as trouvé un truc? Non, moi je trouve jamais. Regarde! Y'a une cassette. Hein. Une caisse! Oh as well as marécage du crapaud. Y'a un marécage du crapaud à trouver. Oh non, mais c'est déjà chaud. Ouais, c'est vrai qu'on est qu'à deux, donc c'est un peu chaud. Ouais. Alors, je vais voir par là. The subsequent oh, breaches in the lab structures have invited all manner of arachnid invaders to wander in. My plan is to recalibrate the tasty bots for defensive action. Ah, d'accord. A stopgap solution, to be sure, but I've no time for repairs, not when I'm so close to unlocking the mysteries of raw science. Ouais, je lis un petit peu pour voir si... Effectivement, c'est quand même surtout du lore. J'ai failli tomber, mais je suis pas... Oh. Tu veux... Bah non, ah j'en non, ai y pas. A des araignées de merde. Bah ouais, y en a bah partout des araignées. Oh, y a une dent sur le truc. Attends, je te cherche. Parce que moi, j'écoutais et je bougeais pas. Ah attends. Attends, ça me stresse, j'ai peur de tomber. Oui, bah il te oh, faut... Oh, les petites connes, comme elles sautent. Il te faut un pissenlit, comme ça t'aurais pas peur. C'est bon. Oui, j'en ai pris un.
Ah bah c'est bon, on est pas peur. J'ai le réflexe d'appuyer sur shift tout à l'heure. Mais oui, mais le temps que tu tombes, t'inquiète pas, tu verras. Bon. Regarde, j'ai vu une petite araignée ici, il y en avait une autre je crois. Ah oui. Putain, elle m'a sauté dessus, je l'ai pas du tout vu. Enfin, je l'ai vu au loin l'autre, et il y en a une autre qui m'attendait, qui m'a sauté sur la gueule. Il faut en tuer pour une quête. Ouais, je sais, je sais. Regarde, on peut peut-être grimper un peu si on cherche. Ah, une tyrolienne, mais c'est incroyable cette affaire. Mais... J'avais lu dans les trucs, il y avait des tyroliennes, ils en parlaient. Ah, tyrolienne. Non, mais attends, n'y va pas, il faut qu'on aille sur la truc. Tyrolienne. Attends, mais c'est par là que j'y vais. Moi, je peux y aller, moi, la tyrolienne. Oh attends. Mais je peux y aller. Tu veux pas m'aider à atteindre le truc avant? Oh putain. Oh, c'est trop dur. Comment il s'est retrouvé là, le truc de jus? Il est pas vachement trop grand. Ah comment? Je shift, ça marche pas, mais t'as menti en fait. Faut l'équiper, faut l'équiper. Ah mais voilà. Ouais, moi des fois il se déséquipe quand je meurs et du coup bah je me rends pas compte. Mais j'attends que tu viennes me rester si possible. Si oui, bah arrête avec tes bruits de bonbons là. T'es où? Je te vois plus trop. Ah, t'es là. C'est comme ça une vie, tu vois. La la la. 3 secondes. La la la. Attends, faut que je boive. Come on, Willow, I need you. Je te need, Widow. Les quêtes, elles me prennent trop de place à gauche de l'écran, j'ai envie de les désafficher, comment je fais? Envy? Sorry. Envy? Envy? Et je te reste plus, hein. Même pas en rêve. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Il me parle dans le jeu là. Tu vas pas t'y remettre, hein. M'énerve-moi. Je t'ai demandé si t'allais voir. C'est dire, il se fout de ma gueule. Bon, par contre, tu étais fait 0 FA. Viens, on fait la tyrolienne. Tu as bien équipé ton truc? Non. Équipe-le, tu cliques gauche dessus. Accessoire, j'ai compris. Voilà. Là, c'est bon, tu crois. Oh non, c'est bon. Alors, attends. J'ai envie de te taper. Mais c'est sensible. Le mec, il fait un. Wouh. Pour rien. Merde. Oh. Comment ça pour rien? Shift, shift, shift. T'as fait la tyrolienne? Non. Mais pourquoi tu veux monter absolument là? Mais je veux la dent. Comprends rien celle-là. Tu fais la dent. T'es une sauvage. Mais moi je vois pas de dent, hein. Je suis tout en haut. J'ai bien vu que tu voyais pas les choses évidentes. Y'a pas de dent. Non mais moi je suis tout en haut là. Elle est sur la brique la dent. Allez j'y vais. Tu peux l'atteindre avec ça tu penses? Si, faut tout faire. Parce que je voulais tenter. Non non mais ta gueule. Tu me gaves. Tiens, nulose va. Alors t'as qu'à faire bien toi c'est la péter, hein. Fait nuit. Ah, je vais mettre ma torche. Tu t'es fait une torche, Envy? Oui. Oh, j'ai réussi. Ah, c'est pas tout le monde qui arrive, ça. Hein. Ah, ta gueule. Oh là là. Pouh! Allez! Un milk molar. Molar pour tout le monde! Ça vous ouvre chaque mois! Ah, dans le chat, on me dit frappe-le! Insupportable! Et silence qui fait la la la! Parce que je faisais la la la! Un genre d'amour incompris, je me fous. Alors. On fait la tyrolienne! Enfin, vous dites ça, les gens, mais c'est pas grâce à Lox que. En plus, grâce à moi, on a trouvé la suite de l'histoire. Ah ouais, mais parce qu'en fait, ça j'ose pas le tendre. Ok. Demain, faut pas que je me lève trop tard, donc j'irai pas trop me coucher après 3 heures. Ok, regarde, la porte du labo, elle est verte là-bas. Ouais, tu as toute l'araignée. Science. Yes, c'est ouvert. On se trouve, c'est putain, pas celui-là, enfin. Mais. Oh, si, c'est plus que celui-là, il est dans la haie, littéralement. Ouais, on fait tuer.
Loser. J'ai mis un coup de poing, moi. Ils sont pas trop forts, Samba. Oh, il y a un repas. Oh, il y a trois éclats de projectiles. I believe them to be far superior to the Mark 3s. Those never lived up to my expectations. On lit quand même. Ouais, pour concentrer sur la composante, c'est ça. Enregistre un nouveau profil d'emplacement et téléchargé vers les unités machin. Échec de nombreux erreurs système, interférences inconnues pendant le processus de balayage. Nanana, ok. All solved with you, Mark 4s, not to mention your most excellent moustaches. Pas tout compris. I will never forget this moment. Science. Un let's play sur Rimworld. Non mais Vince, même toi tu voudrais pas le voir. Ah oui, Rimworld. On en parle, ça fait longtemps. Ouais. On peut activer un truc. Ouais. Mais alors. C'est à moi de le faire, j'avais trouvé le truc. Bon, en tout cas, je pense que l'histoire s'arrêtait à l'étape d'avant dans l'ancien. Ouais, bah oui. Il y en avait qu'un labo, je crois. En fait, tu devais trouver Burgle et après c'est normal. Je l'écrase, quoi. C'est normal, nous là vraiment on y avait choix à sa sortie de la bêta. Regarde ça, Ominent. Oh, il est trop mignon. Avec la musique et tout. Là, c'est bon. On est trop chaud. Visit additional stations to expand the survey. Ok. Alors, ça cible quoi? J'essaye de voir. Ah, je me dis coup de poing. Ah bah ça cible l'autre labo, non? Je pense. Si je vais en diagonale. Moi j'en sais rien. Ouais, viens en diagonale. Bon. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit la voix. D'aller dans les autres trucs. Ouais, non, mais ça j'ai compris, mais je voulais voir ce que ça ciblait, le labo que ça ciblait, genre peut-être pour nous donner un indice sur le. Putain, il fait déjà nuit. Oui, ah bah il fait nuit depuis longtemps, hein. Depuis le début de la nuit, genre. Là, on continue d'explorer un peu. Moi je m'attorche, hein. Ah, il y a un autre labo vert. Non, mais c'est trop chaud. Moi j'ai tout découvert la suite du jeu, là. Oh, il y en a une qui dort, une petite. Oh, elle voyait pas que j'étais dans. Oh, il a tué le bébé. C'est moi qui l'ai surprise cette fois. La ferme sa grande gueule, Jérôme. Alors, on est parti. Là. Oh, punaise. Ça, par contre, je savais pas que ça faisait ça. Tu es tombé? Ouais, bah parce que j'ai les... En fait, j'ai touché un truc avec mon pissenlit et ça l'a fait dépop. Et je suis tombé sur la branche en dessous, donc ça allait, mais... Oh, c'est chaud, on trouve des trucs de ouf. Oh, une fourmelette. Éclat de marbre fragile. Infestation d'araignée. Une fourmelette, c'est quoi? J'imagine une noblette d'œufs de fourmi. C'est à bouffer. Y'a rien d'autre. I'm wasting daylight, running, climbing, surviving. Ouais, la nuit c'est peut-être pas le meilleur bail. Ah, on a le frisbee. Attends, mais on vient du frisbee ou pas? Ah, j'ai plus de pissenlit, merde. Oh non, j'ai plus de pissenlit. J'en avais toujours un d'avance. Sur le chemin, là. Oui, il y en avait un là sur le chemin. Va voir Lux. Je te cherche et j'essaie de savoir comment te rejoindre sans mourir. Oh putain, regarde, il y a une goutte dans le labo, j'avais pas vu. That's not so bad. Lux, par là. Oh, oui. Ah bah, est-ce qu'il serait... Putain, ça se trouve, c'est lui qui est tombé. Ah non, il est full. Est-ce que... Attends, est-ce que c'est par là, la suite? Je pense que c'est par là. Je vois rien, du coup, je n'ai vraiment aucune idée. Puis il y a les quêtes qui me gênent. Attends, on vient... Ouais. Je les ai plus, les quêtes. Bah, des fois, il y a des pop et des fois, il y a des pop. Ouais, c'est ça. Je pense que quand tu rentres dans un labo, là-bas, elle y a sera affichée. Non, la zone rouge, là. Ouais, il en parlait. Il y a un labo pas loin là-bas. Et là, par là, c'était le haut du pylône, je crois. Tu sais, l'espèce de lanterne. Est-ce qu'on tenterait pas un truc genre comme ça? Mais il y a de la science là-bas.
Oh là. Oh, j'aurais pu. Yes, j'ai pu prendre. Ah, tu peux prendre la tyrolienne au passage. Oh, ça, c'est cool. Just another monument to consumerism, invading our natural habitat. Super great. Sometimes a fling man is just a fling man. Il y a plein de. So it begins. Full cocon. Oui, parce qu'il disait que avec son frisbee, il avait attiré les araignées. D'accord. Bon bah allez, c'est tranquille. C'est pas mal d'être la nuit finalement, vu qu'elles ont l'air de quand même dormir. Alors faut là, prendre la science. Aller, mais... La toilette immense ici. Oh putain, c'est un... Allez, chante. Quoi? Oh, t'as trouvé une grotte ou quoi? Une caverne? Ouais, une caverne, mais d'araignée. Et que de la toile. Oh putain, la vache. Slowly. En même temps, s'il y a des araignées loups, en vrai, qu'est-ce qui pourrait être pire? Deux araignées loups. Oh! Là-haut, il y a un truc. Ah, c'est... Ah, trop ça, marrant. C'est une fourmi? C'est des fourmis. Une fourmi en coconifié. On peut pas la récupérer, c'est dommage. Oh putain. Oh la vache! Vas-y, on se... Non, non, mais c'est trop tôt. Elle est punaise et tout. Attends, regarde là-bas, on voit un énorme truc là-bas à gauche. Ah, moi à droite, je vois un truc. Mais je pense qu'effectivement, c'est une bestiole. À gauche, je suis. Là-bas, là. Ah oui, on voit des grosses pattes. Let's see what we can find. Ah non, 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 c'est pas. C'est bizarre, mais c'est pas une araignée. Il y a des araignées mortes aussi au-dessus de notre tête. Et franchement, je vais m'accroupir, j'y vais. Oh bah tiens, ok. Non, attends, tout ça. J'y vais doucement là. Des œufs, ça. DLT pour reine araignée. Hein? Bah, on n'a pas de DLT pour reine araignée. On sait même pas ce que c'est. C'est sûrement, il faut quelque chose peut-être pour l'envoyer. Ouais. On va dire. Reine araignée, donc il y a une araignée encore plus grosse. Trop cool. On va se tirer. Hein. Moi ça me rassure pas trop. Salle de boss et tout, on le connaît. Hein. Et c'est trop cool ça. Franchement, je trouve ça trop sympa quand même. Je vais tomber là-dessus. Trop bien. J'aimerais bien aller là où il y avait les. Ah, c'est pas mal de faire ça. Putain, durée de vol, j'ai plus grand chose. Hein. Ouais, ça sud. Ah bah des œufs. Est-ce que si je tape sur un œuf... Oui oui, ça sort plein de petits, tu fais pas ça. J'ai fini ma quête en plus. Moi je voudrais aller... Regarde, je vais mettre mon marqueur où je voudrais aller là. Ah ouais, ça permet pas de looter de nouveaux trucs. Ah ouais, mais attends, je vois plus tes... Ah si. C'est là, et c'est... Mais je vois c'est rien. De la science. Ouais. Et on a pas de quoi se faire un campement. Et puis là-bas, il y a de la... Ça. Il y a du violet là-bas, là, au long. Ah mais non, c'est des trucs de tyrolienne. De tyrolienne. Bon, je vais essayer de continuer en partant par là, on verra. Oh, direct dans un labo. Science. Direct sur des petites araignées, je t'attends. On a une équipe qui monte à la. Voilà la psy, la pluie, les psy tombent par terre. Je connais pas cette chanson. Oh, ça me fait tout bugger là, je sais pas ce qui se passe. Fermez vos gueules. Il y a un bout de bombardier là-dedans. Ah, dans les cocons, il y a d'autres connards en fait. Ouais, tout bugué. Elles sont mini quand même.
Alors, ah bah j'ai une fourmelette. Pour... Je te la laisse. Oh, elle est plus grosse celle-là. Oh, il y a un cocktail de buis. Vas-y, je te laisse le tester. Oh, trop bien. Bandage. Ah bah j'ai faim, c'est parfait. Allez, moi aussi je prends une petite fourmelette. Hop là. Parfait. I'll admit the argument that preceded my reluctant agreement was one for the ages. She just doesn't understand how important the work is. But in the end, all was not lost. As fate would have it, our little trip to Stormin' Beach's Wave Park has given me fresh inspiration. A particular attraction sported a zip line over an undulating pool filled with sun-baked tubers. Basking in the light of the cruel sun that baked them like red, red raisins. But I digress. It was the zip line that captured my imagination. Such an elegant solution to my problems in the hedge. When we got home, it was straight back to work. Il y a un labo, là. After another argument, of course. Ah bah, dis, hein. Mais je vois tellement pas, putain. Est-ce qu'il faudrait y aller en sautant avec les feuilles? Mais comment déjà t'es allé jusque là-bas? Bah là, par là. Par là? Ah oui. Est-ce que en passant par les feuilles, on peut essayer là? Chaud, non? Si c'était en plein jour. Ah non, attends, il y a une feuille là qui te fait monter encore plus haut. Ouais. Nice, c'est là, ouais. C'est là? Ah ouais, t'as trouvé toi. Oui, la science. De l'eau flotte. Oh, le labo de la haie, c'est ça? On a le vrai labo. Putain, mais c'était celui-là, on avait toujours pas trouvé. On trouve Bulgur. Ah la vache. Attends, on a la quartz fait... oh, fragile. Ouais, c'était il y a de la flotte. Ah, trop cool. T'as pris? Oui. Une cassette. Early test runs on the zipline system have produced mixed results. Prices on oh, on est trop chaud. Ouais, on a avancé. Ah, on a bien fait de se forcer à aller chercher. Thème du piratage de la porte. Ou le mot de passe du terminal. Ah, faut écouter. Sarah peut-être. Regarde, c'est écrit. Mais Sarah. Ah, tu peux pas. Merci, Avanalo. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward, I suspect. Ouais, non, effectivement, pas un mètre, donc faut qu'on le trouve. Ok, bon, j'explore. Oh, araignée, il va y avoir des araignées. Il est coincé. Il est plus coincé. Un petit coffre ici. Oh, c'est bien, des cailloux pour améliorer un peu les armes. Ouais. Oh, ouais, ça c'est une tablette. Mais ouais, on est tablette. Oh, merci, vous êtes chou. Merci, les applaudissements et tout. 58. Lox. On l'a fait. Vas-y, attends. J'ai mis un blocage. Parfait en plus. Tiens. C'est officiel. Voilà. C'est Lox, la meilleure. On l'a eu. Je les doute. Bon, est-ce qu'on détruit pas toutes les toiles là avant? Ouais, moi j'étais en train de les détruire. Merci, hein. Essaye fourmise. Je ne suis pas la seule à me souvenir de ce film. C'est pas un jeu, un truc des fourmis là. Un fourmise, c'est un film avant. Okay. Un vieux film, un peu. Ah, c'était moins mignon que les mille et une pattes, quoi. C'est bon là? Ouais, j'avoue. Mais bon, horrible quoi. Voilà. Ah, il y a une tyrolienne! Bah, je crois que non. Non. J'ai rien. Attends, avant, on a d'autres portes. Ok. Ah! Pff, oh l'horreur.
Oh l'horreur! Ah, ce qui m'a fait peur, c'est que j'ai failli mourir à cause d'une bête. Ouais, c'est ce que je dis quand les bêtes veulent te tuer, ça fait flipper. Non, une baie. Oh putain, Lux, je suis dans la merde. Moi aussi. C'est que je suis des robots en fait. Ah, mais t'avais pris la tyrolienne, toi? Oui. Il y avait toute une autre partie à observer. Oui, mais parce que je croyais que ça se relierait facilement parce que je te voyais juste au-dessus. Donc je me suis dit, je vais prendre la tyrolienne pour aller juste en dessous. Il y avait des araignées jaunes. T'es morte? Oui. Bon, je vais peut-être venir, mais tu penses que je peux le faire ou... Oui. Ouais. Mais attends, on est dans un labo. Ça devrait putain, pas. Ça marchera pas. J'ai failli mourir à cause d'une baie. T'as vu? Je te l'ai dit. Ouf. Voilà, t'as... on failli meurt à cause des baies. Elle dort, fais pas de bruit, hein. Je suis à coup. Attention. Bon. J'aime pas les aliments, je le dis direct. C'est trop de la merde. J'ai sauté. Putain. Vite, je me soigne. J'ai pas un truc pour me soigner là. Et j'aurai jamais le temps de te raser. On est où? On est à un poste de recherche ou... Parce qu'il y a écrit ressuscité au poste de recherche, c'est ah, quoi? Ah bah oui, poste de recherche, carrément, oui. Bah, ça marche? Ouais. Je pense que c'est mieux qu'à la base, en tout cas. Oh bah super. Mais c'est une blague. Oh le ah, jeu qui m'en tue. J'ai vu sur ton écran. Ah non, c'est bon. Ah! Oh non, mais putain! Ah, cette blague intergalactique, c'était très drôle. Oh, je suis tombé. J'ai un endroit. C'était beaucoup mieux, effectivement. Ressuscite à la base, hein, tant pis. Hein. Je suis au milieu d'araignée, hein. Je suis tombé en plein milieu d'araignée, je sais pas comment me barrer. Oh mon dieu. Attendez, je vais aller reprendre d'autres de ça. Et je peux pas faire. Même pas dormir. Non, mais je vais venir, je vais venir. Mais non, mais c'est en pleine nuit, c'est relou. Pas grave. La nuit, les araignées dorment. Il est 3h30 déjà. Oui, voilà, c'est bon. Je cherche juste des trucs de pissenlit. J'attends, on a monsieur Fars, tous retapés. T'es en bas toi? Ah, je suis en bas, ouais. Bon, après l'araignée elle a l'air de ronfler, mais je vais essayer de m'attirer déjà. Damn, it's broke. Ah, mais le labo est ouvert maintenant. Ok, donc faut que tu viennes là où je suis, en fait ça permettra de remonter. Ok. Tu te rappelles, c'était le labo qui... Bah attends, j'y reste. Je t'attends ici en fait. Ouais, bon. Donc en vrai, ça va. On n'aura pas un chemin de malade à faire, juste un petit... Juste 40 km. 550 cm. Il est pas bronzé, compte. Hein. Là, c'est forcément. Là, c'est forcément plusieurs mètres en vrai. Hein. Ah, bah oui. 1 mètre, c'est 5 cm. Mais 5 mètres. Ah non, mais c'est plus. Bah, oui. Non, mais c'est plus. C'est pas possible. Genre, il y a 20 mètres entre nous, on n'a pas 5. J'ai bien aimé la réflexion. 500 cm. Non, mais en vrai, c'est plusieurs mètres. Ça, c'est pas bon, hein. Écoute, il est 3h du matin. Et surtout, je comptais plus. Et surtout, je me disais, mais en fait, c'est 1000 mètres. C'est 1000 cm. Non, c'est 100 cm. Voilà. Eh, le calcul, il est pas bon, hein. Oh putain, c'est quoi? C'est des larmes. 500 cm, ils se sont trompés. C'est au moins 5 mètres. Ils se sont plantés. Mais c'est au moins plus, c'est ça que je voulais dire. Ah putain, je vois rien.
pas fait de torche avant de partir, quelle conne. Bon. Je me rappelle plus par où on était monté. Andy ? Je t'attends. Bah viens, 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 je suis. Je peux pas en fait, il y a des cailloux entre nous. Ah. Il y a la barrière de cailloux quoi. Oui non mais c'est pas la grande, c'est la petite, je sais plus, il y a plusieurs passages, tu dois pas retrouver. Comme ça c'est la petite, de quoi tu parles ? Allô ? Ah, tu te rappelles pas où on était monté? Ah oui, bien sûr, c'est la grande en fait. De quoi tu me parles, la grande? Mais ça veut dire quoi ce que tu dis? La grande quoi? Bah va à l'entrée du labo maintenant, il doit être ouvert. Ah d'accord. Vrai. Voilà, mais c'était ça ma question. Pourquoi tu dis c'est la grande depuis tout à l'heure? Je me comprends. Ça a vraiment pas de sens. Si, si. Tu pourras pas comprendre ma rhétorique. Bon, et du coup, on peut passer par le... Par la grande. Ah, mais derrière, il y a aussi un petit... Non, 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 je veux pas. Putain. Attends, maintenant, j'y suis, je vais aller voir. Ah non, mais super. Oh, il y a une dent, Logs. Tu peux venir? Bah, fais la dent. Non, non, toi, fais la... Enfin, viens avec moi. Je pourrais pas seul. Pourquoi? Bon, je le fais pas, moi. Oh, j'ai récupéré mon sac Attends, elle est bloquée. Ouais, ouais, elle est bloquée. Oh non, il y en a deux. Oui. On se barre, Locke. Mauvaise idée, je t'avais dit. Ouais, on se tire, c'est trop chaud. Ah, c'est une bonne idée ça. Putain, elle m'attaque dans tous les sens là, je vais die. T'es où? Je monte. C'était par la gauche qu'il fallait monter. Ouais, par la gauche. Là où je suis. Ah, t'es où? Ah, mais c'est bon, t'as réussi à monter. Ouais. Les mecs ils tiennent pas la pression. Ils ont cru ils allaient mourir et devoir se taper 500 cm ou quelques mètres. Au moins 20. Il y a une dent. Non, j'ai fait un saut dans le vent. Non. Là, il faut que tu m'aides. Je suis vraiment dans... Non, mais tu vas descendre dans des feuilles juste en dessous, ça va. Mais attends. Faut que tu te débattes. Oh putain, il m'a fait peur. Le robot qui vient vraiment se coller à moi. Pendant que je te regarde et je vois un énorme truc rouge qui passe devant moi. Ah mais c'est quoi? Oh. Oui, c'est une dent verte, c'est pour ça que je voulais aller là. Non mais dis-toi, j'ai vu une toute petite araignée tomber dessus. Je crois que c'était une illusion d'optique et que c'était une énorme dans le couloir derrière. J'ai vraiment eu une illusion d'optique de chou. C'est une dent dorée? Ouais, tu peux pas hein. Ah si, moi je... Ah mais non, mais oui, non mais j'avais le mauvais outil. Ah c'est un méga milk mola. C'est le deuxième. Tombé. Chier. Moi je fais des cocons en attendant. Ouais, vas-y. Il y en a 10 qu'on peut pas perdre. Il y a vraiment beaucoup. Ouais, c'est super. Je les ai tués. On peut pas. Donc tu viens là? Ouais.
Qu'est-ce que tu fous des boules? Je suis tombée. Et? Et bah du coup j'ai dû me remonter, il y a plein d'araignées en bas. Il faut chercher mon sac, mais voilà, je pensais que tu pourrais passer de là. C'est pour ça que moi j'ai... Et allez. Ah vas-y, prends le papier, c'est le mot de passe. Oui mais c'est ça que je cherche. Y'a pas de... Il est écrit T19. Ça a l'air d'être le début. J'en ai eu un aussi. Ah oh, y'a de la science. Putain on peut pas. Dans l'autre sens là tu vois. Bah non. C'était... Quand je repars putain. Là, des petites baies. La baie ça se mange en vrai. Non? Bah oui, je pense. Je vais essayer. Ah non. Ok. Tain, pourtant c'est des morceaux de baie quoi. Elle a l'air trop bonne. Elle dégoûte. Un peu trop sucré. T'es où l'axe? Je suis... un pelic. Ah, j'ai trouvé la suite je pense. Comment d'abord? Il y a une dent là-haut, t'as vu? Encore. Il me dit silence, ils ont une dent contre une ou... Oh, c'est quoi ça? Je sais pas, mais je prends tout. Moi, je prends pas tout. Non, faut tout prendre, en vrai. Faut vraiment tout qu'on prenne, en plus, c'est trop bien. Oh putain, mais. Ah non, mais tout ce qu'il y a! T'as quoi comme place dans ton inventaire? Je suis à 38. Oui. J'arrive pas à looter des trucs, il veut pas. Ah si, c'est bon. J'ai de la place, mais est-ce qu'on se fait pas une petite bout de base ici? Non, non, non. Mais non, c'est pourri. Moi, je l'avais pas vu. Science. Ouais, merci de la tuer, de te rendre utile. Non, je t'en prie. C'est rien que ça. Ah, avec plaisir. Good thing I'm hungry. Souvent pour la tyrolienne. Et comment je récupère mon sac à dos, moi? Mais il est où, ton sac? Il est en bas, mais le... Attends, c'est ça que j'essaie de te montrer. Attends, je récupère là-dedans. Voilà. Comme d'hab, ça fait depuis 2 heures, j'essaie de te montrer. À chaque fois, tu fais autre chose. Non, tu me montres rien. Mais si, c'est en bas. Ah d'accord, oui, je vois où c'est. Ok, bah c'est par là, faut aller, en fait c'était par là je pense, là qu'il y a une tyrolienne. Attends, je vais peut-être... Ah bah non, mais c'est VL, il y aura un fleur. Non, je t'attends. Ouais, je pense que c'est exactement... Oh non, tu m'as fait tomber. C'est trop relou. Il y a trop de trucs à trouver encore qu'on n'a pas trouvé. Il y a de la science, mais j'ai pas envie de descendre. Oh, c'est trop de galère. Ouais, c'est ici. Attends. Ouais, mais c'est par dehors qu'il faut y aller, par la tyrolienne, non? Ouais. À ta gauche, là, maintenant. Quoi, pardon. Demi-tour? Ah non, tu me rejoins? Ok. Non, vas-y, rejoins-moi. Ouais, non. On fait demi-tour, on va récupérer ton sac d'abord. Fais demi-tour. C'est ça que je veux faire, moi, récupérer mon sac. Oui, mais c'est pour ça que je te crois, vivement. Faut y aller en même temps, par contre. J'en viens de là. C'est pas en bas, là-bas? Non! En fait, tu sais pas du tout où c'est, j'ai essayé de te montrer, mais tu veux pas. Regarde, je te montre. C'est... C'est au bout de cette tyrolienne qui est en face de moi. Ah quoi, vas-y. Le problème c'est qu'il y a des araignées jaunes quoi. Non mais je viens avec toi. Ok. Attends, en fait... Oh, elle dort. Oh,
Attends, je vais faire un début. Attends, je prends le mot de passe et puis je peux ouvrir la porte surtout pour y aller facilement. Voilà, c'est bon, on pourra partir facilement. Je gêne pas mon énergie, elle m'a empoisonné, je regène jamais mon énergie. Je vais tomber. N'importe quoi. J'essaie de le faire. Ouais, tu es stead. Non, ne me fuis pas. Ouais, c'est bon, vas-y, laisse-moi vite. Ah, parce que je vais mourir. Moi aussi. Ok, je vais pouvoir te sauver. Ouais. Ah, c'est bon. Je vais me soigner, je vais mettre un bandage. T'as un bandage, moi je peux t'enfiler si tu veux. J'en ai un. Ah oui, j'en ai trois. Des bêtises, j'en avais fait un petit stock. Et bah, tac, petit bandage. Et voilà, et du coup, maintenant on peut partir par là. Ok, ouais. Ouais, t'as Il y en a dans le labo. J'ai juste plus où, mais tu te rappelles, il y en avait. Ah, tiens, bah attends, t'as pas vu? On a eu une petite puce. Ah, j'avais même pas vu, putain. Mantôme. On a découvert des mantômes. Toi, t'as tiré une flèche à ton arme. Moi, j'ai essayé. On vient, on peut remonter du coup complètement. Oui. Bien. Ça, c'est bien. On va chercher le dos si tu veux. Ouais. Je sais pas si c'était. Non, c'était pas là. C'était plus haut, je crois. C'était même pas du tout à cet endroit, mais. Ouais, peut-être. Je sais plus du tout. Mais ça me tendait qu'il y en ait pas. C'est le truc que j'avais. T'en as pas dans ta gourde? Je crois pas. Ah, c'est déjà fait, silence. Les prix une heure plus tôt. J'ai le cocktail. Oh merde. Ah bah vas-y. Sonde. Non, ça m'a enlevé de la soif. Mais t'en pourris. Un petit peu. Ça va être un truc sucré quoi. Bon bah j'essaie avec les tyroliennes. Lâche-toi avant. Bah j'ai eu peur de le faire parce qu'il y avait des trucs électriques. Bah il y a une entrée, c'est surtout que l'entrée est là. Tu vois? Hop là, je suis rentré. Ah bah j'ai trouvé une autre partie. Y. Ah, oh, des bandages. Et rien de spécialement intéressant. Ouais bah je t'attends carrément en fait, y'a full araignée et tout. J'arrive. Je suis tombé. Je suis beaucoup tombé. Putain! Merde. Oh, il y a aussi un truc. On était monté assez haut, c'est ça? C'est quoi ça? Un arpenteur de ressources. Et du coup, faut que je me lâche avant. Ah, ça te montre où sont les ressources, c'est marrant. Let's go! Okay. Je suis là. Attends, je sais ce que je vais. J'ai mis sur arrêt abyssal. Ah oui. Trop bien ça. Bon, faut pas trop traîner. J'essaie de regarder s'il y a une goutte au plafond, mais y a pas dans celui-là. Y a peut-être un distributeur d'eau. Bah ça m'étonne qu'il y en ait plus rien d'autre quoi. Y a un coffre là. Ah, il est vide. Ah mais on était déjà venu ici. On a juste redébloqué la... Ah bah l'établi. Bah ça veut dire qu'il y avait un distributeur d'eau pas loin. Si on descend là, je pense qu'il y en aura un. Vas-y, on se sépare. Il y en a un là, là où je suis. Ah, et on a raté de la science, putain. What the fuck. Non mais on a pas tout fait encore. Oui non mais là on l'avait bu à l'eau. Et en face vraiment du distributeur d'eau. Bon j'avoue c'est dans un endroit un peu casse-gueule. Hein. Faut... Ah voilà. Oui. Ah, tu vois là, tu vois la feuille là en face de moi? Non, t'es parti. Pas grave. Ouais, t'en fous. Tu vois la feuille en face de moi, mais il y avait de la science dessus. Ok. Genre, ça m'étonne qu'on l'ait raté. Ouais, j'avoue, surprenant.
Oh. Ah bah faut qu'on la coupe de l'extérieur celle-là. Regarde, t'as vu? C'est pas ça la puce là? Elle est pas devant moi? Donc faudrait monter et faudrait accéder à l'autre tyrolienne là-bas. Regarde, en bas là, ici. Là où je regarde en face de moi. Je peux pas mettre un point? Là. Ah, il y a une puce là? Moi j'ai une cassette. Ouais, mais il y a une cassette et il y a autre chose. Un truc jaune. Ah, ouais, un dossier? Non, non, il y a vraiment un truc rectangulaire. Ton point il me gêne un peu. Attends, je le mets. Peut-être, ouais. Je ne saurais pas te dire. En zoomant, franchement. T'aurais que t'appuies sur X. Bon. Du coup... Ouais, ouais, j'ai zoomé. Alors, je suis monté plus haut, le plus haut possible. Et à mon avis, donc c'est 7 entrées, donc c'est 7 tyroliennes, donc là je peux descendre ici. Par là, ok, je l'ai atteint. Fait. Et là je peux sauter. On va prendre. Oh, t'as fait le tour toi. Ah merde, ici j'ai verrouillé. Mais comment on y accède? Il y a un truc que tu as à faire. Ouais. Ah, t'as une. Prends-la la feuille. Je veux pas. Mais écrit quoi? Faut regarder, ouais. Je vais aller en face, je vais te dire ce qu'il y a écrit. D'accord. D'accord. Je sais pas. Nouveau W. Ouais, c'est. Viens voir, c'est drôle, ça. C'est invisible. Tu vois, on voit le fil, il monte jusqu'en haut, mais il pas. Il monte très très haut. Password, il y a écrit il y a juste écrit password en très gros. Ah, mais à l'intérieur. Moi j'ai dit par à l'extérieur. C'est à l'envers du coup. Oui. Je t'assure que ça tu penses pas à password. Tu lui as un endroit aussi tellement surfait. Moi j'étais allé en face, t'es dehors. Bon, par contre, ça ne nous avance pas dans notre recherche. Ah oui, c'est la puce, on dit en fait. Tu vois, j'avais raison. Ok. Mais. Du coup, je sais pas, j'essaie de suivre le câble jaune, mais ça. Mais il monte bien trop. Attends, il monte peut-être, mais il redescend à un endroit. Est-ce que c'est ça qui alimente? Mais non, la pile, elle est alimentée elle-même. De toute façon, enfin, elle alimente elle-même le truc. Il y a un court-circuit. On voit qu'il y a des étincelles. Elles sont où les étincelles? Elles sont là dans ce truc là. J'essaie d'y retourner. Vous avez pas vu le dernier objectif de quête? Si on les a tous vus. Là. Pas très rassuré là. Il a raison, on n'a pas lu. Ouais, voilà. Fallait faire quoi? Juste se connecter au terminal parce qu'on avait trouvé le mot de passe. Oui, oui, je sais, je trouvais plus le terminal moi, je le cherchais. Et là, c'est bon, c'est ouvert. Oui, oui, c'est ce que je me disais aussi. Mais je le cherchais depuis tout à l'heure, je me rappelais plus où c'était. Ah, on est trop chaud. Merci le chat. Non, mais vraiment, je m'en doutais qu'on avait tout le mot de passe, mais je le cherchais, je ne savais plus du tout où c'était. Ah, moi je pensais qu'on avait toutes les feuilles, je pensais pas. On en avait 3, donc je me suis dit ça doit être bon. Mais c'était écrit, hein. Parce qu'il y a écrit trouver le mot de passe, c'était validé, et après il y avait écrit connecter au terminal, donc fallait. Ouais, ouais. Bah, vu que c'était. Mais je savais plus où c'était. Bon, en tout cas. GG, bon. Merci, c'est gentil, tu t'aides. On avait fait plus dur. Maintenant, attends, ça disait quoi?
Rapporte la super puce, hein, clairement. Et explore les profondeurs de la mare. Mais ça ouais, on va faire. Félicitations. Bon, viens, on essaye, avant de se parer, on essaye d'atteindre cet endroit-là là, que je voulais. C'est cet endroit-là. Voilà, là-bas. Oh, où ça 50 cm, j'ai mis un marqueur. Ça part trop chiant d'y aller. Ok. Ça fait un peu loin, non? Ouais. Il peut alors. J'ai plus de durée de vol, je vais que tomber. J'ai mis. Ouf, ça m'a amorti ma chute. Bon, on ira plus tard. En vrai, j'étais un peu déçu de ce que j'ai vu. Au final, d'en haut. C'est juste un peu d'eau et puis c'est tout. Tu veux essayer d'y aller? Ah, ouais, toi, tu peux peut-être aller voir. C'est chaud quand même. En passant sur la grosse branche, peut-être. Ouais, mais. Faut que je trouve au moins. À ta gauche, non? Ah, ouais, mais t'es loin. Ouais, non, ça va être dur. Ouais, je suis super loin. Et là, la branche, elle se termine. Sur les feuilles en montant doucement bon, moi, de feuille en feuille. Ah zut. Je fonce. Non bah je suis tombé, c'est pas grave. Allons voir Birgul. Birgul. On aurait galéré quand même faire une connerie. J'ai fait un gâteau royal. En 18 ans, on va faire cette étape. J'ai fait un gâteau royal, il l'appelle le gratteau. Monsieur. Est-ce que bon. C'est juste que du chocolat et de la crème, quoi. Ah. Et du chocolat au lait, bien sûr. On va peut-être buter un gâteau au chocolat, j'imagine. Ah, c'était une expérimentation, un peu. On a essayé, Hertz, on a essayé. We tried so hard. Défoncer le puceron. T'es parti. Ouais, j'ai la virgule. Le gratteau dauphinois. Oh, j'ai des pommes dauphines cet hiver, j'étais contente. J'en trouve jamais ici. On trouve des pommes noisettes, on trouve des pommes duchesses. On trouve pas des pommes dauphines. On s'en fout des pommes dauphines, c'est rien que des... C'est trop bon. Non, c'est comme des beignets de pommes de terre, en fait. Les pommes dauphines, c'est frit. Du coup, c'est bon. On voit deux punaises qui tapent une larve. Oh, c'est frit. Vraiment, mais... So just do it. Make your dreams come true. Ça, quoi. Nothing is impossible. 4000 kilos de gras saturé. Do it. Just do it. Yes you can. Bah. Le truc c'est que les pommes dauphines moi j'aime bien les industriels, je sais même pas si j'aimerais ça en fait maison. Trop habitué. Pommes de terre en fait maison, c'est ouf, c'est un des ouais. Aliments justement qui. Mais ça m'empêche pas de kiffer de ouf la purée mousseline, tu vois. Alors que c'est ça de la merde, hein. C'est pas la vraie purée quand même. Mais j'aime trop, j'aime la vraie purée. Mousseline, mais j'aime vraiment la mousseline. Mais c'est normal, trop habitué. Non. Cela, c'est des connards. Putain! Mais ta mère! Merci pour le raid, Gérald Fruit Knight, c'est adorable! Pourquoi étais-tu tu? Non, mais j'en peux plus, j'ai suivi partout les incariens du monde là! Ça, c'est parce que t'es chiant. Ah, ta gueule! Merci beaucoup, vous étiez sur quoi? Oui, non, mais c'est compliqué. Faut que t'enlèves ton point envie, ça me perturbe. Right there. Ouais, c'est ça, j'ai un raid d'acariens. Non, mais c'est trop chiant, plus d'acariens, on peut même pas les bouffer. Oh, est-ce qu'il faut bien de faire en soi. Merci, c'est très gentil. J'ai pas vu du coup sur côté. Ah, Fortnite, tu fais du Fortnite, j'avais même pas. Ah, c'est tout pareil.
Mais avec des insectes. T'es fini de dire des conneries, toi? Non. Et toi, je te parle pas! Si, bah, ok. Oh là là! Cette expédition, quoi! Il veut dire, je me suis bien amusée. De quoi, de quoi? Oh, et puis je m'en fous. Ouais, j'ai vu bien. On a bien avancé aujourd'hui. Maintenant, on va pouvoir explorer les fonds marins et ça, je suis plutôt contente parce que je préfère. Angie, t'es partie où? Je croyais que tu t'en foutais. Comme ça, je m'en foutais. Ouais, ouais, je m'en fous. De? Je suis partie voir Burgule pour lui donner la puce. Parce que je t'ai posé une question, t'as pas voulu répondre, j'ai dit oh, je m'en fous. Oui, oui, tu m'as pas laissé le temps. Quoi? T'as mis 20 minutes à pas répondre. Donnez-la moi et nous pourrons découvrir qu'elle on a 2 plus. Milliards de sciences. Traitement en cours, traitement en cours. La super puce de la haie. Désolé pour les affreuses araignées qui règnent là-bas. J'ai oublié de vous prévenir. J'espère qu'elles ne vous ont pas trop posé de problèmes. Sympa. Ah, je me sens tellement plus en phase avec moi-même. Croyez-moi sur parole, rien ne vaut une lobotomie inversée. Merci beaucoup, beaucoup. Bon, que voulez-vous savoir? Ah oui, la localisation des autres superpuces. Il y a 4 labos dispersés partout dans le jardin. Et chacun d'eux dispose de leur propre superpuce. Le labo de la haie, qu'on a déjà fait évidemment. Ouais. Le labo du brouillard, le labo de la mare et le labo de la fourmilière noire. What? Le labo oh, du les fourmilières, elles sont gentilles. Le labo de la mare, ok. Et la haie, c'est du passé maintenant. Pas les fourmilières. Je vais marquer le bien superpuce des laboratoires. Subnautica RPZ. N'oubliez pas de consulter les nouvelles recettes disponibles, d'accord? Ok. Bonsoir Aria! Aria Poulpi! Oh, j'ai trop là, quoi, silence! Bon, on peut prendre une quête déjà. Exploration du plan d'eau et tout. Alors qu'est-ce qu'on se met? Est-ce qu'on se met de la santé max ou pas? Ou de la ou le drain de la faim et de la soif? Je trouve pas ça trop chiant. Je mutation sais pas. Active max. Ouais. Mais un truc max. Qui nous rend tiens. Trop fort. Santé, endu. Et drain. Endu, voilà, ça peut être bien, non? Ouais, j'ai mis santé endu et le drain 20%. Le drain. Et je vais augmenter la taille max des piles de consommables. Est-ce et la taille max des piles de ressources. Voilà. Et on a 5800 points après. Oui, oui, bonne nuit, Gérald. Merci beaucoup, des bisous. Merci, merci. C'est adorable. Alors, et bonne année, peut... oui. Ah, tyrolienne. Par contre. Alors. Oh, fait chier, livre des recettes on entend de la haie. Le poisson faire des bruits depuis chez nous. Putain, la vache, il doit être tout proche. Bon, on a plusieurs trucs à acheter, Lox. Le défonce. Non. Tyrolienne ah et échelle, ça te va? On prend les deux? Ouais. Ou tyrolienne pour. Tyrolienne, t'as l'air bien. Là, j'ai pris tyrolienne. Tyrolienne! Et il nous reste 3300 points. On peut prendre, sinon, économie de bandage et gourde améliorée. Voilà. Un gourde amélioré, ça vous êtes bien. Ouais, peut avoir un stock en plus. Ouais, parce que deux, c'est pas beaucoup. Je vais tester, mais je pense que ça sert à remplir. Remplir. Troisième fois, j'adore. Alors, pas la peine d'être désagréable, silence, quand il y a un raid surtout. Ou quand je joue pas seul, effectivement, je vois pas forcément les messages. Il faut arrêter de se vexer comme pas possible à chaque fois que tu dois répéter un message. Ça m'arrive dans plein de chats sur lesquels je vais et c'est pas grave. Vraiment. C'est normal. C'est un chat Twitch, c'est pas une conversation. Et je sais pas comment on est devenu petit. C'est vrai qu'on sait même pas ça. Bah non. Bah ça a pas marché en fait. Oh, attends, peut-être que je consomme l'eau. Je pense qu'on peut faire dodo. Faire aussi tes boosts. C'est quoi faire aussi tes boosts? Moi, je peux avoir que deux mutations actives. Tu sais, des différences consommables que tu peux te craft qui boostent un peu tes stats. Ah, ça faudrait y penser. Vu qu'on a la mutation pour les raids.
Ça peut être bien de la mettre juste avant d'essayer de rester quelqu'un. Et après, tu l'enlèves. Ouais, faut être rapide. Pas le mining le plus. Pardon. Ouais, t'inquiète. Ouais, je viens de nous améliorer avec les mines monarques. Non, tu vois, on a. Ah, regarde, Lux, on la voit la barre des points de vie et de l'endurance en plus. Ça met un petit écran. Shame. Hein, t'as vu? Non, t'as pas vu. Bon, on non, j'ai pas vu. Ah, il y a une petite barre noire qui nous indique. Ah oui, Emil Kumolar, c'est vrai. Ah, mais c'est perso ou c'est. Non, c'est pur. Oh! What the fuck? Ah! C'est un rêve. Ominen, donc c'est le labo. Ah putain, on se souvient. Ça se trouve, c'est comme ça qu'on est devenu petit. Ça se trouve, on est dans une simulation. Oh là là, on n'est pas du tout un enfant. C'est ouf. D'un coup, ça devient vachement plus sombre. Ah bon, on sait pas si on a un enfant, on se rend pas compte. Mais c'est comment on a... Bah voilà, c'est comme ça qu'on est devenu petit apparemment. Sinon ça posait la question au bon moment. Grave. Mais même nous on dirait qu'on n'a pas de passé si on n'en parle jamais. C'est vrai qu'ils sont trop relax ces persos. Il y a 4 gouttes si tu veux. J'en ai pris une. Ok. Non, moi qui me disais c'était une petite expérience toute mignonne qui a mal, tourné et tout. En fait, ça a l'air d'être un truc trop glauque. Ça pouvait pas être trop mignon de toute façon vu qu'il y a des vrais labos et tout, tu sais, c'est pas. Bon. Du coup, récupérer la prochaine. Mais si, ça pouvait être. Donc, ils ont indiqué où elles sont, donc maintenant on peut. L'inventeur, on peut choisir. Là. Bon, attends. Est-ce qu'on peut pas voir peut-être. C'est où, c'est dans quoi déjà? C'est dans. Non, état. On ouais, peut mutation. Pas. Mutation. Activer des mutations utiles. Très bien. Inspire. Tu sais, mais plus grande quantité d'énergie. Endurance maximale. Santé maximale. Bouclier humain. Ah, les méga meilleurs pour le groupe, les mini-molars normaux, c'est par personne. Ah, du coup, faudrait que j'en choisisse un pour moi. Ok. Ok, j'ignorais. Tu deviens comme un poisson dans l'eau, dans la mare. Ta peau perméable bénéficie de gradients électrochimiques qui te permettent d'agiter tes membres et de mieux respirer. Donc, j'ai activé ça déjà. Dans état? Dans les. Dans... Ouais, dans état, ouais. Je crois que j'ai pas ça. Ah, si. Ah, peut-être. Et peut-être le truc de la respiration aussi, ça peut être bien. J'hésite, je mets la respiration ou je vais mettre peut-être le bouclier humain pour plus de coups. Non, la respiration c'est bien. Ok. Vas-y, je mets la respiration. Ouais, et je vais mettre mon équipement parce que moi je l'avais enlevé. Voilà. On est pas mal là. Et on va foutre le tuba. Et j'ai une lampe. J'ai une lampe torche. Ah, aquatique! Incroyable. Sur mes palmes, je les connais pas. Ah si, elles sont là. Okay. Ouais, alors, ça m'a des grandes choses. Je répare un peu mon stuff. Attends, je répare mon stuff. Ouais, vas-y, ça va pas demander grand chose. Pourquoi je perds de la vie là? Ah non, j'en gagne tout doucement. Mais ça te régène pas de dormir? Ah non. Bah, dans plein de jeux, ça te régène. Au moins ta vie, c'est pas ta bouffe et tout, mais au moins ta vie. Non. T'as dit. Salut Floman. Oui, il y a petit Seth qui est très fort dans le jeu. Il nous a dit il a tout, tout accompli. Il a fait tous les objectifs. Donc effectivement, il pourra t'aider. Après, si vous voulez des infos très très précises, faites-le plutôt en MP qu'on soit pas trop spoil. Sinon, si c'est après des petits trucs soit qu'on a déjà fait, soit qu'ils sont pas des gros spoils, c'est pas bien. Pardon. Oh, elle est trop belle!
T'entends? Okay. Bon, on entend des bruits chelous. T'es prêt? C'est quelle torche? La torche en mi... Ouais, c'est ça. La ronde. En mixomisène, mi-7, c'est ça? Yep. Je crois que tu pourras faire une. Bah oui, c'est pas très chiant en fait. Donc j'en fais une aussi. N'hésite pas, ouais. Let's go les matins en mixomisette. Je vais mettre ça après. Bah la tige, faut que tu la prennes et que tu la tailles au labo. Et si, te dis, si tu peux pas la scanner, c'est que c'est pas valide et que c'est pas comme ça que ça se débloque, j'imagine. Mais voilà, sinon tu le prends à la main, quoi, comme les feuilles ou les tiges classiques. Ah ouais, oui, faut les prendre à la main. Ouais, ouais. Là, tu peux les scanner, c'est comme ça que t'avais fait. Toi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je l'ai pas fait, je crois, pour l'Adventis. Moi, je l'ai... Ah, tu l'as pas fait? Si, sinon, si, si. Sinon, on aurait pas les structures en Adventis, on a tout. Mais oui, on en avait peut-être trouvé, ça se trouve déjà. Non, non, tu l'avais fait. Mais je me rappelle pas, hein, moi, je suis pas allé dans un labo avec cette tige-là. Hein. Si, je suis pas sûr que tu l'as fait. Bon, je retenterai. Moi, j'avais pas les crafts avant que tu te connais. Ah, mais la musique est forte, par contre, en fait, le là. Poisson, il était par là. Viens, on va dans le truc où il y a le dino. Celui qui est là. Que tu dois être juste en dessous de nous. Attends, mais c'était. C'est quoi qu'on. Attends, je baisse un tout petit peu la musique. Je suis sur le nénuphar. C'est quoi là la suite, en gros? Bah là, faudrait aller trouver un des labos. Donc on pourrait faire celui de l'eau. Y'en a pas un avant? Genre, c'est pas celui du brouillard, celui d'avant? D'après? Non. Ah, il a dit dans l'ordre, mais ces trois-là n'ont pas d'ordre, hein, clairement. Il nous a donné les trois d'un coup. C'est sûr, ok. Bah, je suis sûr, ouais. De toute façon, on a les trois quêtes. Bah, il y a écrit trouver la prochaine puce, c'est pas des quêtes détails. Et t'avais un truc? T'avais fait un truc pour. Merde. Je sais plus ce que c'était par rapport au. Ah, viens dans l'eau avec moi, quand même. Je suis à côté de toi. Viens, descends parce que je peux pas y rester éternellement. On va essayer de trouver des trucs. Attends, je vais me respirer un petit peu. Je vais mettre la torche, voilà. Et là, on va essayer de trouver. Oh, tu vois, déjà, il y a une écaille. Donc, ça veut dire que ça repop. Oh, ça repop, c'est trop cool. Ah, oh, ouais, il y a une écaille hop, là aussi. Merde, j'ai pas la bonne salle. Voilà. Ok, bon, viens, on va essayer de respirer à la bulle. Attends, je fais un petit tour avant. Enfin, je respire à la bulle et après, j'essaie de foncer. Ouais, je trouve une écaille. Ouais, moi aussi, encore une autre. Je me suis dit, avec le temps, le poisson il doit en reperdre, ça serait logique, tu vois. Okay. Ouais, ouais. Bon, je vais prendre une petite bubule et après je vais essayer. Ouais, j'ai pris une petite bubule aussi. Je regarde un petit peu le sol encore. Comme eux-mêmes. Ah, ça nous donne 9 secondes de respiration en plus. Pas mal. Pas insane, mais c'est bien. C'est quoi ça? C'est encore une écaille. Faire du temps là-dessus. Tiens, une autre écaille, je la récupère. Ah ouais, j'ai une arête. Ma première arête. Elle bug, j'arrive pas à la loot. Il y a un coffre. J'arrive pas à la loot, elle bug. Bon, je la récupère, c'est bon. Je vais respirer. Trois arêtes hein, déjà. 4. Oh, c'est fou. Et le coffre, on peut l'open ou... Putain, une clé recouverte. Attends, on pourra vraiment l'ouvrir. Bon, par contre, y a pas de bulle quelque part là. Faut retourner là-bas. Vous y retournez ouais, là-bas. J'y suis. Mais c'est quand qu'il y a une grande bulle là? Merci. Vas-y, va tout au fond. Essaye de d'où je viens là, si tu te trompes. Putain, j'ai raté la bulle. Ouais, et ça met un peu de temps, hein. Oh, bah ma torche elle est à plat. Bon, d'accord. C'est un peu aléatoire. Quoi, ma torche elle est presque pas consommée, moi. C'est pas la même alors. Hein. Ah, ouais, peut-être c'est pas la même. La mienne éclaire que dalle aussi. Ouais, éclaire pas trop. Donc, le coffre faudrait une clé. Ok, faut peut-être la trouver. Ou la crafter, maybe. Moi, je vais retourner respirer, je vais essayer de le faire le truc. J'ai retrouvé une arête.
Ah putain, il y a une araignée qui m'attaque en plus, mais c'est terrible cette affaire, c'est terrible. Je me tire, je me tire. 20 secondes, hein. 20 secondes, c'est fini, je suis mort. On peut jamais respirer ici. Mais c'est trop chiant. Ils ont pas mis un truc au bout. Non, j'ai pas trouvé. Pour moi, il y a un truc caché où on peut respirer, mais j'ai pas trouvé. Non, des filous. Hein. Allez, fin. Putain, les bâtards. C'est quoi le ressuscité à Kit Case? Ah bah oui, Kit Case, la boîte par laquelle on est. Ouais, on c'est est comme ça au que... début, je pense. Ouais. Oh putain. Ok, on peut respirer dans le labo maintenant. J'ai réussi à ouvrir une porte. Ah, donc maintenant on peut aller au bout, ok, super. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas essayé, je me suis baladé en me disant que c'était fermé, mais oui, logiquement c'est ouvert maintenant. Non, non, c'est qu'il fallait faire avec la main. Du coup, bah si t'as plus beaucoup d'oxygène, forcément t'as pas le temps, quoi. Ouais, c'est vrai. Diagnostic initiaux indique que tout est opérationnel. Pour le lancement de la phase de test des choux de Bruxelles, à l'aide du protocole hydroponique... De quoi ? Hydroponique ? D'aquaculture microponique. Oh putain ! Appelé AMS. La culture du réseau de mycélium. Le biodôme développé par Burgul a révélé ne pas être un échec total. Les signaux peuvent être détectés dans toutes les extrémités. Biodôme opérationnel. Nodule de croissance opérationnelle. Scène de nitre. Opérationnel. Réseau fongique. IF. La récolte ne peut normalement s'effectuer qu'après 90 jours. Mais les tests initiaux suggèrent que les choux de petite taille sont prêts au bout d'une semaine. Ok. Garde dans l'esprit qu'un certain seuil d'intégrité leur faire atteindre la taille d'un pamplemousse. J'ai pas tout compris, mais il regardait ça par rapport à de la bouffe. Oh, j'ai 10 torches de mixo, je sais pas quoi. Ok. Ah, toi t'as une lanterne de mixo machin. C'est pas une torche. Each member of the Tolly family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium. Ah, j'ai allumé les disjoncteurs. Within its densely packed leaves, oui, je les veux pas fait, j'attendais. Un robot. Alors, c'est... What? Oh! À l'arc. On fait à l'arc. Non. Ça a bien marché. Il fait trop mal. Il explose, trop bien. Mais il se bat bien cet enculé. Stop, stop, stop. Oh putain. Moi je voulais pas la toucher, t'inquiète. On peut dormir. Incroyable. Et trop tôt. What could possibly go wrong? Already? The joys of getting older. Trudy pushed me to go see a doctor. Bon, j'ai combien de... J'en ai récupéré pas mal, hein. J'ai 9. Arrête, abyssal. Trop bien. Je pense avoir tout pris ou presque. Il faudra que je refasse un petit tour. Non, je vais aller le faire maintenant. Je te laisse continuer à explorer. Ouais, bon, je crois qu'on a tout parce qu'après c'est fermé. Et que juste écrit verrouillé. Il y a une porte là, ici. Ah, il y a un coffre aussi, attends. Quoi, coupons, c'est blague, oh, wow. Il y a plein de trucs dans le coffre, what the fuck. Oui. C'est toi qui avais posé des choses? Non, j'avais pas fouillé. Parce que bah, je voulais respirer. Du coup, j'ai pas fouillé. Ok, bon, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a une araignée de ce côté-là. J'arrive pas à la voir en plus. Non, je vais mettre la lanterne. Celle qui me grille d'abord et qui me fait chier. Hop. Ok. Ok, je suis prête. Oh, j'en trouve plein, c'est cool. J'arrive. Je crois que j'ai rejoint l'autre côté où il y a les deux araignées. Ah oui. Ce serait pas illogique, ouais. Bon, je vais quand même mourir.
J'essaie de rusher au labo mais je serai jamais assez rapide. Allez bâtard. Ah c'est trop long, ah c'est trop long. Ouais c'est trop long. Ah merde. Il aura fallu au moins 10 secondes de plus je pense. Et sûrement dedans on peut respirer mais faut les trouver quoi. On a allumé les disjoncteurs et tout, je sais pas trop ce que ça fait. Mais... ça se trouve, maintenant on peut ouvrir des portes. Parce que t'as plein de tuyaux de labo là. Regarde un petit peu s'il n'y a pas des trucs qui s'ouvrent, des endroits où on peut aller. Ah, là je peux aller là. Est-ce qu'il y a des endroits où je pourrais respirer dedans? J'aimerais bien. Il nous faut tellement le casque. Ouais, je vous en avais fait deux là. Ah, c'est vrai? Waouh! C'est un peu limite, mais ça va le faire. Plusieurs trucs à activer, j'en ai activé un. Ok, j'ai compris. Ouais, en... c'est... j'avais vu trois disjoncteurs, c'est ça? Ouais, bah en fait, c'est comme des trucs qui tournent et faut que tu les. Enfin, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est un gros truc qui est tourné un peu, ouais, j'ai appuyé dessus. Je pense avoir vu au passage. Oh, bah, je viens de voir ça, Fat, tu sais. Je viens de voir, mais. Mais on découvre, on dirait que t'es pas, c'est pas grave si on se rend pas compte tout de suite des trucs. Merci pour le follow, c'est gentil. Salut Nana. Merci Nana. Le problème c'est qu'on n'a pas les casques donc oui bah là tout de suite c'est pour ça qu'on faisait tout en mode apnée de fou apnée prise de tête. Oh il y a une truc, je vais la prendre. C'est quoi? T'as de la bouffe ou pas? Ouais ok, ouais, j'en aurai au cas où. Je vais voir si je peux prendre une goutte de passage. Voilà, hop. Ok. Tu marches avec tes vieilles palmes. Je suis en train d'arriver. Oui, de rien, merci, bienvenue à toi. Ah oui, le casque bulle, c'est 180 secondes. Ah, c'est pas mal, ça, des gens. Faut que je boive, tiens. C'est plus intéressant. Hydration is the key to performance. Je t'attends dans la base, ça va aller. Ouais, vas-y, j'arrive. Dans la base, t'as compris quoi. Le labo. Dans le labo base. Dans la lab base. Ah. Bah c'est bien, ça va nous faire respirer un peu les... au sens littéral du terme. Ok, j'ai activé le deuxième au passage. Oh, je l'avais vu en arrivant. J'arrive. Plus très loin. Pourquoi les portes à fond? Je sais pas. Ça me dépasse. Tiens, j'ai jeté par terre. Alors, fais voir moi cette merveille. On prépare toi juste à faire qu'on se batte contre une araignée, je pense. Faut que tu viennes avec moi. Ok, je suis là. Bon, elle est pas trop forte, mais elle va faire chier. Oh ouais. Oh, t'es trop chier. Bien. Dès que je me balade, elle me voit. Et on la défonce, t'es où? En fait, je voulais voir s'il y avait d'autres arêtes par là.
Oh, quel plaisir. On est plus rapide que... On a deux araignées là. Peut-être même trois. Bon, on n'a pas vu. Ici, j'ai tout récupéré tout à l'heure. Oui, il y a clairement un labo dans le coin parce que mon truc s'affole. Bon, écoute, là j'explore un truc, mais je crois que c'est là où je suis allé tout à l'heure. C'est bon, ah, j'ai trouvé un autre truc. Ouais, c'est là où je suis allé tout à l'heure où j'ai fait ça. Une écaille, une arête à nouveau. Oui, je crois que ça rejoint le bout de la mare là, je vois le tunnel. Ouais. Oh zut, il faut la racine des trempés niveau 2 et il y a un truc derrière à choper, mais je peux pas. Notre épée, il en faut niveau 2 et on peut choper un truc dans un des labos sous l'eau. C'est pas grave. Ok. Oh. J'arrive. Bon bah du coup, je pense qu'on a fait le tour au niveau arête et tout. Ouais. Peut-être une ou deux de planquer, mais globalement, j'ai dû quasi tout prendre. Ah, t'as vu où il est l'autre? Ah bah non, tu l'as déjà activé celui-là. Il y en a un que j'ai activé, ouais. Respire un peu. Comment t'es passé pour là-dedans? Il y avait des vitres pétées. Ah d'accord, carrément. Ok, bon, je vais aller respirer, puis on va chercher. Alors, ah, c'est un pied, mince. C'est pas grave. Je vais voir si je peux me crafter une petite lanterne, j'y arrive. Ouais, il faut des trucs qu'on a, mais à la base, quoi. Bah, il faut des trucs d'herbe là. Non, bon, c'est pas grave. Ok, j'arrive. Bon, je pense que j'ai trouvé le dernier. Ah putain, il y a plus d'araignées encore. Je l'ai activé au pire, si tu veux aller dans la base voir la suite. Je vais revenir avec toi. Oh, entre dans l'ouverture des profondeurs. Ah bah là, ouais, juste au-dessus de nous. Ouais, c'est ça. Let's go. Ah putain, c'est moins chiant. Ah oh ouais. On se croirait dans ce petit cas, j'aime trop. Science. Ah bah du coup ça relie là, d'accord. Là c'est là où on était, d'accord. Ah c'est la porte, c'est bon. Royal. Attends, je vais voir parce qu'il y avait les disjoncteurs. Je vais voir ce que ça active. On va dessus. Non, y'a rien, c'est des disjoncteurs qui sont bons. Ah bah c'est l'expérience qu'ils aient sur les choux de Bruxelles. Bruxelles. Conditions physiques stables, évolution des systèmes vasculaires surpassent nos attentes. Les recherches concernant l'amplification de la musculature des choux progressent. La musculature des choux progresse diligemment. Le point crucial a été de conditionner la génération 4 à l'assimilation de la chair sous forme transmissible par des réseaux fongiques. Depuis, chaque nodule travaille de concert avec une efficacité maximale. La manipulation condensée des cycles de culture permet l'évolution hybride générationnelle d'atteindre un rythme sans précédent. Shoot Bruxelles, capacité supérieure, dénommé shoot biceps. Sont un mélange savant de protéines, de lipides, de glucides orchestrés par la manipulation des fibres musculaires et végétales. Il présente un potentiel d'application très prometteur pour une alimentation omnivore, durable et responsable. Élaborer des exercices d'aérobiques pour des échantillons, n'importe quoi, afin d'augmenter la nutrification et d'ajouter ainsi un aspect motivationnel à la croissance. Transmettre des données de modules de recettes à Bulgur. Bon, c'est pas Bulgur, hein, c'est Burgle. Mais moi j'aime bien dire Bulgur. Ok, trop marrant. Des shoots de Bruxelles, des shoots de biceps. Des mignons qui cèdent. Des bisous, des mignons. Je pensais à des mignons, c'est mignon, le shoot de biceps. Merci beaucoup pour ton aide à ce plus. T'es descendu sous l'eau à cet endroit-là où je suis. Ouais, viens, je suis revenu te chercher.
Parce que là sous l'eau il y a des trucs mais vu qu'il n'y a pas de lampe je peux pas voir. Viens viens, je suis revenu te chercher. Et la lampe elle dure pas longtemps donc faut vraiment pas que tu traînes et que tu te barres à 40 km, reviens. Je sais pas où t'es en fait hein. T'es passé devant, tu m'as dit t'es passé sous l'eau. Tu m'as vu. Ah bah non, il fait nuit, je ne vois rien. Si tu vois mon point. Et je t'ai dit que je venais te chercher. J'ai dit oui direct, t'es là. Ah c'est où? Mais vu que je te vois, en fait je te vois pas, c'est le problème. Là par exemple t'es passé, ah voilà, là j'ai pas du tout le temps de voir où on monte ici. Non c'est pas là, attends c'est de l'autre côté alors. Là on passe là, ici on monte ici. Prends ton arme dans l'eau, dans la flotte. On continue. Beaucoup de lampes. Ok, je l'éteins. C'est ok, t'as pu. Oh putain! Ouais. Et une cassette. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. Ah, le mot de passe encore. For a man 20 years my senior. Redémarrer le terminal. I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life... Et so be it. Viens voir, pour que tu viennes. Apparemment, un sens inné de l'effort et de la survie les pousse à résister à la préparation culinaire, mais un coup de spatule suffit à les calmer. En gros, les choux de Bruxelles, ils résistent. Ils se défendent. Enfin, les choux de biceps. Ouais, mais dis ça, mais un coup de spatule, c'est la blague. Ouais, dire, c'est bon. Bah, je sais pas, hein. Ouais, en vrai, ils ont l'air presque de prendre. Viens voir ce tableau. Alors. Ah oui, oui, ok, d'accord. Bah, à droite, quoi, il est badass. Toi des muscles d'un chou. Ah, oh, c'est trop drôle. Bon, faut redémarrer le terminal biode. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des ennemis qui étaient pas là dans. Faut que tu reviennes. Oui, non, mais en fait, faut qu'on loot un peu. À chaque fois, on va trop vite là depuis tout à l'heure. Arrête de me dire, faut que tu viennes. J'aime bien fouiller aussi. Je peux? Ah non, mais moi j'ai tout loot déjà. Bah là, typiquement, on était tous dans une salle. Il y avait des petites barres qui traînaient. On les a pas prises. Ah oui. Parce que depuis tout à l'heure, tu m'appelles en fait. Tu t'en rends pas compte? Bah oui, mais c'est parce qu'il faut se battre. Mais bah toi, ça va. C'est un petit robot de merde. Non, deux. Deux. Oh, attends. Deux. Voilà. Tu les as fait, t'es trop fort. Ouais, mais c'était chaud. J'ai failli mourir. Non. T'as qu'à m'attendre. Il faut les looter. Faut tu vois, tu vas trop vite, tu le lootes même pas ton robot. Si, j'ai looté les deux. Non, bah non, il n'y en avait qu'un qui était looté du coup. J'en ai looté. T'es pressé? Pourquoi t'es pressé comme ça? Je veux redémarrer le terminal biodome. Oui, mais c'est bon, on peut prendre les ponts là. Moi je prends mon temps, j'ai tout. Oui, depuis tout à l'heure tu m'appelles. J'ai oublié une barre. Ah oui, parce que je me fais agresser et t'es jamais là pour m'aider. Science. Non, parce que j'explore tranquille ou. Je crois que j'ai trouvé la suite. Oula. Oh. 8000. Le problème, c'est que moi j'ai pas de lampe. T'as pas beaucoup de filles toi? Pas grave hein. Pas comme si c'était dur. T'as pas un bandage? Non mais bandage c'est de la merde. Mais non c'est trop bien que tu le mets. Je vais voilà, manger c'est bien mieux. Oh
Ok. Science. Oh, hello. J'ai gagné. Bon, quelque chose me dit que ça va être là qu'il va falloir redémarrer. J'arrive pas à comprendre les palettes scab, c'est quoi? Quand on les trouve. Je sais pas. Ça fait quoi? Des loots, je crois. Ça fait des crafts en plus, quoi. Ouais, tu crois? Test âme jour 7. Tire à burger. De sortir cette bague de l'étang. Ah, je l'ai vu la bague. Ah, oui, je l'ai vu aussi après. Retour, il y a un texte, il y a un genre, un poème. L'alliance des poissons. Brillant à la lumière, l'anneau avait coulé. Perdu puis retrouvé par une koi sankée. De ses lèvres mouillées, la koi choisit sa chance. Et sans vraiment vouloir, elle avala l'alliance. Elle se mit à tousser sous les yeux des barbeaux. Voyant qu'elle étouffait, je lui tapais le dos. Par la grâce du ciel, elle cracha l'anneau. Puis qu'il n'y a d'un seul œil à son nouveau héros. Te voilà mon épouse, disent facétieux. C'est vrai, répondit-elle. Mon nom est Trudy 2. De quoi? Trudy 2 je... Trudy, Trudy avec de... Trudy. Ah, donc Trudy 2, voilà. C'est génial. Ah, ça s'est éclaté. Oh non. J'arrive pas, elle arrive pas à remonter, c'est terrible. Quand même dommage. J'arrive pas. Je remonte pas. Ah, j'ai pas beaucoup de vie. Tiens, prends un bandage. J'en ai des bandages. Comment on drop un? M'en fous. Allez, dis-moi. Merde. Je fais lâcher. Ah ouais, lâcher, ça lâche un. Mais tiens, bandage. Bah, moi, je trouve ça bien, ça remet fou. Non. Ça consomme pas. Ah, c'est bon. Bon, bah, on y va, de toute façon, non? C'était ouais, pas vas-y, parce que... mais... J'ai pas trouvé d'autres endroits, hein, perso, là-haut. Ah oui, ça nous fait remonter à nouveau. Putain, tu le savais? Oui. Salope. Écoute, t'aurais pu comprendre que j'avais déjà visité si j'étais dedans quand t'es arrivé. Et je pensais que t'étais tombé en mode merde, je voulais regarder chez... Genre, je voulais explorer autour avant de... Tu vois. Oh, ils sont là les shoot biceps! Shoot biceps! Ils sont là! Vas-y, je les prends. On les récupère. On va pouvoir les... Attends, y a pas... Attends, j'ai une torche, je veux quand même voir. Ah oui. Je vais mettre la petite torche. Oh, je les ai tous ramassés. Ah non, vas-y, regarde. Oh, putain, ouais, en fait, oh, on dirait des muscles. On dirait des muscles, des genres de cerveau. Vas-y, prends. Récupère avec moi. Ah oui, ça attaque de l'autre côté. Ok. Ah ouais, on peut monter sur la plateforme. On peut monter sur la plateforme, mais je pense qu'on peut le faire analyser. Ah bah le mot de passe, erreur t'as peut-être trouvé, connexion. Non. Ah, allez. Regarde ce que c'est. Ça. Super. Reprise du mode auto, vérification des systèmes. Oh putain, excellent. Mais je l'avais vu ce petit dôme dans la flotte. Oui, moi aussi. Trop mais bien. Il était tout fermé, en effet. Battez-vous avec Trudy. Hein? Bah ouais, si elle a bouffé l'alliance. Ah mais regarde, trop... attends, je veux voir le dessin animé là. Attends, nous. Un nouvel. Attends, il y a un truc. Oh non, ça. C'est ah oui, bon. C'est pour que les biceps ils s'exercent en fait. Ils ont mis au point un truc de. Oui, de gym. C'est horriblement moche. Ah, c'est pas les mêmes. Regarde, attends, mais ah ouais ça, c'est pas des biceps ça. Regarde là, c'est pour faire de la gym quoi. Oui, c'est ça, c'est quel truc de motivation, il disait. Oh là là. C'est vraiment... Le pire c'est celui-là, je trouve que c'est le meilleur. Avec les jambes. Il ressemble à rien celui-là. Oh, putain. Bon, faudrait faire analyser les biceps, je pense. Genre là. Oh, on peut pas. Trop dommage. Ah, on peut pas, merde. Ouais. Et on est, on en retrouvera pas en plus. Ah non. Shoot biceps, ça. Un pas bon. Partout.
Est-ce que cette fois on peut pas sortir par le petit endroit que t'avais trouvé? Tu m'as piégé. Peu importe la super puce de la mare. De toute façon, on a fini. Je pense qu'il faut le voir depuis l'extérieur. Peut-être, je sais pas. Non, c'est ouvert. Ouais, c'est trop malin. Et donc maintenant, ça va être facile l'accès. Maintenant, on peut se barrer surtout parce qu'on a fait la mare. Ouais. Enfin, il faut se taper la, le poisson. Ah oui, il faut se battre contre Trudy, c'est ça? Ouais. Mais on n'est pas prêt. C'est un prêt dans 1000 ans, en fait. C'est pas le bon endroit, je peux approcher par là. Lox, qu'est-ce que tu branles? Mais c'est toi, pourquoi tu me suis? J'en sais rien, moi, je te suis, j'ai fait confiance. Oh non, il est bientôt 4h, je vais me coucher à 3h. C'est vachement réussi. Et toi? Oui. On lui apporte au petit gars. Yo, Ant. Ah, le corbeau qui s'est posé. Ou on fait dodo. Et on lui apporte quand même pour savoir. Il reste encore un peu de temps pour te coucher à 3h. Ouais. On reste quasi 24h. Je t'ai dit pareil et je sais que je vais retourner jouer après ma pause là. Je t'en ai aucune volonté. Ouais, tu joues à quoi, Sam? Et je pouvais compter sur vous, merci de patienter lors de la mise à jour des fichiers. Tu as pris la petite musique. On entend la voix de robot, Lox. Il y a même dans le jeu. C'est moi la voix de robot. Non. Et la condition permet de stockage et la régulation du transfert d'énergie dans l'intérêt atomique lourd de la phase d'expansion de l'espace de terre. Putain, ça a allumé les télés du labo. Ah ouais? Ah, c'est de la loi scientifique de l'homme. J'avais jamais vu. Une bonne ou une mauvaise nouvelle? Allez, on fait la bonne en premier. Okay. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une cellule de rechange ici. La mauvaise, elle est vide. Vide. Cellule agrandissante doit être remplie d'une mixture spéciale, une sorte de cocktail. Encore une aventure révolutionnaire de Dr. Tully. Ne bougez pas le temps que j'envoie la recette du cocktail agrandissante à votre scab. Traitement. Il y a derrière l'ordinateur et le répertoire manquant. Ça parle hippopette. La recette du cocktail d'agrandissement ne semble pas se trouver dans ma mémoire. Il va falloir qu'on la trouve. Il semble que l'univers veut vous garder ici. Carrément. Ramenez-moi une autre super puce et nous essaierons de restituer ce puzzle. Lui, nous j'ai fait un rêve étrange. Mort. J'ai peur que Dr. Tully ne m'ait pas programmé pour l'analyse des rêves, mais je ferai de mon mieux. C'est-il au hasard d'un buff électrique? J'ai toujours voulu goûter celui-là. Oui, j'ai décrit mon rêve. Je te confirme, il y a deux spacers, on l'avait supposé les tortelis. Un dans le jardin et un, c'est omnitant. Ominent. Le spacer, c'est le space réducteur. Ouais. Regarde, il est sur le tableau ici. On dirait une machine à laver. Bah, je pense que c'était celui qu'il y avait dans le jardin. Non, non, on dirait vraiment une machine à laver. Hein. Une simple machine à la con. Vraiment. Ça même, on dirait qu'il y a un tambour aussi. Ah,
C'est moi, J-King, c'était Dantès, vous avez réussi. Ne pas un agent dominante. Ah, j'ai envie de dire omninante. Pourquoi rétrécirait-il les enfants? Notre régime malgré nous. Mince. Oh non, 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 je veux pas. Ah, Death Stranding. Ouais, putain, je l'ai pris aussi. Du coup, en plein fait... Non! Ah oui, j'avais juste à faire ça. Ah oui, oui, d'accord. Il y a des levels dans Death Stranding, moi je sens même plus. J'ai joué au jeu, j'ai joué une dizaine d'heures. Non, je déconne, j'ai dû jouer 2 heures en plus. J'ai pas sorti les premières zones, je suis quasiment level 120. Mais oui, il y a des niveaux. De toute façon, il y a des niveaux pourquoi, il suffit juste de marcher dans le jeu. Enfin, des fois, je comprends pas. Je veux voir la machine à lever, Lox. Fondation flottante. On peut faire des fondations flottantes. Ouais, je l'ai acheté, j'ai acheté. Ça avait l'air trop bien, si on peut faire une base sur l'eau. Pizza table. Pizza table. Tu vois, le Space Reducer, c'est vraiment une machine à laver, quoi. Ouais. Après, en haut à droite, il y a un canon, mais je pense que c'est le truc central, à mon avis. Ouais. Bon, je tire. Ouais. T'as vu, on peut pas aller dans la deuxième partie du labo. Oui, j'ai vu. Il faut la carte de l'adjoint. C'est sûrement un des derniers trucs. Genre après les puces, t'sais. Et par contre, ouais. Il y a un coffre dans l'eau, faut trouver la clé. Bon, je sais pas, on verra, peut-être un moment on aura des indices. Comment tu sais, il y avait écrit sur le coffre qu'il fallait une clé. Ouais. Attention au bord de l'eau, fais gaffe. J'ai vu, et elle nous a vu. Ouais, elle nous a bien vu. Ah, dans l'eau, il y a un poisson. Tu as une flèche dans le cul, vite fait. Mais c'est une jaune. Non, c'est pas une jaune. Non, c'est pas une jaune. Et immense et lente. 2h32, nickel. Ah, c'est l'araignée loup, j'ai testé. Mais c'est tellement trop chaud une araignée loup en fait. Ok, ouais, je savais pas qu'il y avait des valeurs d'incendie. Pourquoi tu fais ça? Je vais voir si on pouvait mourir dans les pièges. Ah, c'est trop dur une araignée. C'est paniquant, hein. Faut que tu me raises. Oui, bah elle est proche, hein. Bah super, je suis mort. Ouais, puis il me reste même. Cool. T'as resté appuyé comme un mulot. Oui, de toute façon, j'étais à côté. I'm ready to hit the sack. I'm ready to hit the sack. Ah! Attends. Viens, on couche, on se dort là. Vas-y. Hey, I'm gonna fall asleep. Arrête d'amener toutes les araignées du monde ici, s'il te plaît. Ah, surprise cette conne. J'étais accroupi. Pas entendu. Un de vos rêves. Oh, on est pas au même endroit. Enfin, on est si, mais sûrement au même labo, mais pas la même pièce. On est peut-être tout petit déjà, rien. Ah ouais, on est tout petit. Like we've done it. Great job, everyone. Let's set up 3 more trials for replication. Sorry to crash your party. The Defense Department has arrived early to discuss Project Orc. The director needs you to be present at the meeting. Not sure what's worse, our director or a 3-hour meeting with the military. Ça, c'est ouf. Wake up. Maintenant, quand on dort, on a trop d'infos sur le lore. Il y a un problème, Lox. Il y a un immense problème. Il fait tellement pas de dégâts. Je l'impressionne trop, elle ose pas m'attaquer. Mais moi je la vois bouger en permanence. Mais héros. Ouais, c'est pour ça. Elle est trop impressionnée. Ouais, bouge pas.
la touches pas toi? Et j'y arrive pas. Mais sérieux? Tu vois pas où je tire là moi? Si si, mais je vois où tu tires, sauf que moi quand je tire dessus, en fait je vois pas sûrement la même chose que toi. Des fois j'arrive à lui tirer dessus un peu mais... Reste à gauche, tire à gauche. Là où elle est, là où moi je tire, je suis sûr que tu la toucheras. Ah. Ah, c'est sympa. C'est dommage que t'aies cassé ta barrière protectrice. Elle est solide de fou, non? J'arrive. Franchement, c'est faisable, j'ai réussi à parer 3 attaques. Hop là, 4. Ah ouais, j'avoue, le rythme. J'ai foiré là par contre. Oh! Pourquoi tu prends la hache? Pourquoi tu prends pas la masse? Parce que je crois que ça lui fait trop mal, moi, je crois. Pourquoi tu as empoisonné ce fichier? Attends, je vais mettre un petit bandage. Et où? Et franchement, en 4 coups, j'ai enlevé une barre. Hein. Ouais, ah merde. Je tape avec toi. Ah non, non, là par exemple, c'était 4 coups. 3, c'était 2 ou 3 si tu m'aides. Elle est quasi morte, mais moi aussi. Quoi que je pourrais, en fait, je m'en fous. Tu libères. T'arrives, je vais t'aider. Oh, je lui ai jeté ma masse. Oh putain, on l'a niqué. Succès. Ouh, le... On avait peur. Et elle nous a bien donné alors du venin, morceau d'araignée et des chélicards, donc tous les trucs qui nous manquaient. Ouais. Bon, j'ai balancé toutes mes armes et tout, j'ai plus de vie. J'ai même lancé mon trident, je sais pas où il est. Je l'ai vu au sol. Oh, à moins que je l'ai pris sans faire récup. Ouais, j'ai pas l'impression. Ah. Et B. Merci beaucoup. C'est fou, hein. On l'a fait, hein. On a un peu manque d'éclairage votre base quand même. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'éclairage. Oh, ça on le savait. Oh, on avait débloqué les lanternes, je sais pas. Scientifique qui attache des gamins avec des fers. Ouais, bah les scientifiques ils ont l'air horribles, hein. Clairement, hein. Bon. Par contre, on a eu un problème. Ouais. Oh, on a le trampoline. Ouais. Je vais juste remettre un peu d'herbe. Elle repousse pas les herbes que j'ai coupées ici, c'est trop nul. Mais oui, c'est trop bizarre, il y a un délire avec les herbes. Je vais aller en chercher. Ouais, j'en vois pas beaucoup. C'est pas mal, on a réussi là. Ouais, on a une araignée loup. Et du coup maintenant, bah faudra qu'on se prépare pour la carpe quoi. Alors... Maintenant qu'on sait, on sait speedrun les araignées loups, on est large. J'ai vu, tu sais, on pourrait faire le Stefan Carpe peut-être, pour nous aider. Peut-être, ouais. J'ai l'impression qu'on a tout fait, juste plus de valinerie et de safe de nénuphar. Oh bon, ça c'est easy ça. Quelques arêtes. Et quelques écailles, mais en gros aller en bas quoi, faire un bon tour. Mais ça il y a écrit, un peu plus elle est pas quoi. Très forte en résistance, par contre il y a écrit parade magistrale. En mode peut-être une parade qui absorbe vraiment tous les dégâts, tu vois. Ouais, ou qui stun longtemps. Je pense vraiment que c'est un truc qui empêcherait. Et peut-être que le poisson, vu qu'il fait très très mal, ça se trouve, ça, c'est peut-être plus intéressant, tu vois. J'en sais rien. On va essayer de le faire. Masque d'abeille par exemple, il est fou parce que. Enfin, il sera bien pour affronter les abeilles en fait, parce que étourdissement de l'art. Étourdissement quoi? Étourdissement, l'arc étourdi. Ah oui. De générer un peu. Après, si on a le stuff coccinelle, qui a beaucoup de défense aussi. Une coccinelle, où es-tu? J'ai envie de dire, c'est armure lourde et plus force de la parade. On les met où les shoots biceps?
Je mets là où il y a des champignons. Viens, on crée un coffre. Oh. Bon, ce sont pas fou, si si. Parce que de toute façon, niveau place, ça devient un peu limite là sur certains points. On va apporter des nouvelles compos tout le temps. Ah, le venin, faudra aller le scanner. C'est Ligostas. Mais le oui, venin, je devais pas lever live aussi tard. Mais le jeu il est trop cool. Alors c'est difficile d'arrêter. Mais en vrai, il va falloir que j'y aille là quand même. Et demain on a ciné, il serait bien de pas avoir la tête dans le cul. Ok. Bon bah on aura deux trucs à scanner. Bah ouais, c'est trop bien. On a avancé beaucoup beaucoup. Là on a avancé de fou. Oui. Toi aussi tu ne sais. Ils vont aller prendre tes gouttes. Ah oui. That's not so bad. C'est bien pratique ce truc. Clairement. Ah oui, t'as pu reconstruire, c'est cool. Bon bah c'est pas mal. Ouais, on termine sur une petite araignée loup là. Allez, j'arrête la VOD, bisous VOD, à la prochaine.